Pour accompagner l'apéritif, monsieur, avec une tuile de comté, parmesan, pignon de pain et ça. On va continuer donc sur une petite tarte fine, retravaillée, crème de truffe, tapenade d'olive noire et roquette. On va continuer avec un croustillant mousse de sole avec des œufs de saumon et laitue de mer, qui est une variété d'algues. On va continuer sur un tartare de haddock avec sa pomme Granny Smith qui va rapporter un petit peu d'acidité. La peau du haddock qui a été frit avec son riz vénéré, riz thaïlandais. Moule marinière en tempura et citron caviar sur le dessus. Pour le déjeuner, en partant de la gauche sur la droite avec le poivron séché, piment d'Espelette, graines de blé germées au levain sur le côté croquant des graines. Au levain, donc le traditionnel pain au levain. Vous avez le feuilleté tapenade, tapenade d'olive noire et sel de noirmoutier. Le citronné avec ses zestes, graines de sésame sur le côté noisette torréfiée. Un classique noir raisin hein, sur le côté sucré salé, le maïs sur le côté assez rond et doux en bouche avec le pain tradition, la ficelle tradition, le pain noir, donc pain nordique qui a été retravaillé normalement, il a à peu près 60% de seigle et que de l'avoine, donc très compact. Celui-ci a été retravaillé avec du lin jaune et du lin brun pour apporter de la légèreté. Vous voyez directement un petit peu de malt et graines de sésame et on termine sur le pain de campagne. Madame. Monsieur, bon. Oui, comme ça, ouais, c'est bon. Le quignon, un autre en particulier. Un autre choix. Non, non, au-dessus là. Citron, avec ses S, très subtil. Eh ben, je vais prendre ça. On a le maïs aussi et le grain de sésame qui est super en accord. Non, mais s'il y a du poisson. Bien, monsieur. Ça peut être un accord intéressant. Alors les beurres qui me proviennent donc de la maison Bayvert à Machecoul, beurre de Barade, celui-ci donc aux éclats de sel de Noirmoutier et celui-ci a été fumé par nos soins au foin. Vous avez donc une, juste à côté une petite mouillette donc avec un œuf mimosa reconstitué. À l'intérieur de l'œuf, une déclinaison d'asperges avec des œufs de hareng. Poids morta. Donc le morta, c'est un chêne qui est encore de fossilisation dans les marais de Brière. Pour la petite histoire, il y a 4000 ans de ça, la Brière était une grande forêt de chênes. L'océan est venu jusque-là, les arbres sont tombés et ont été recouverts par la tourbe. Donc aujourd'hui, il faut sonder les marais pour retrouver le morta. Nous, on travaille avec l'atelier JHP qui est à Saint-André-des-Eaux et qui nous ont conçu un couteau sérigraphié au nom du chef. Le couteau, on va vous le laisser pendant tout votre repas, c'est votre compagnon de table. Si à un moment du repas, vous voulez le changer parce qu'il est sale, vous le glissez dans l'assiette et on vous le changera sans problème. Madame, monsieur, on va débuter donc avec un appareil à crème prise légèrement fumé, avec ses billes de concombre qui vont rapporter la fraîcheur, le fameux caviar d'Aquitaine posé sur le dessus, avec des petits croustillants de pain, citron, avec un coulis mâche qui va rapporter le côté assez doux. Au milieu, un sandwich de dentelle à l'encre de sèche et saumon fumé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va continuer sur les premières asperges du Maine-et-Loire. Juste à côté, hein, asperges blanches, juste saisies avec une moelle de bœuf gratinée, le fameux lard colonnata, un lard d'origine du Piémont, légèrement poivré, donc à la frontière de l'Italie, les morilles avec un jus de lapin, un chromeski avec une béchamel, jambon vendéen avec une émulsion vin jaune qui va rapporter le côté oxydatif. Nous allons continuer sur un médaillon de lotte, juste saisi avec son émulsion, l'huile de chorizo qu'on vous a injectée à l'intérieur pour donner le côté gras et légèrement épicé du chorizo. Les pommes de terre fondantes, pommes paille, avec une fondue d'épinards. Sur le côté, une émulsion chaude de joues de lotte. Nous allons continuer sur la pomme de riz de veau, donc la noix à la partie. On va à l'intérieur du riz de veau bien croustillant sur le dessus, tout en restant moelleux, avec une trilogie, une variété de déclinaisons de choux, avec du pak choi, du chou rave, les choumettes, variété de petits choux de Bruxelles, avec une réduction du jus de riz de veau.
Oui, déjà. Je vous écoute. On va faire un petit tour à l'horizon. On va être sur une tome grise des volcans, une tome de vache du Puy-de-Dôme, sur du maroilles, une molette, on est dans le nord, un peu des poisses, de mortier, gruyère de gruyère en Suisse, Beaufort, à compter 36 mois. Là, on est sur un pavé d'auge, comme à Pont-l'Évêque, mais un petit peu plus charnier. Saint-Nectaire, Fougeru, fromage donc un beau coulommier. Ici, sur des fromages locaux comme un Maizet, mi-vache, mi-chèvre du sud Vendée, un curé nantais, un brin de noix, un mâche-poulet. Là, sur des brebis avec. Une fumaison, tome fumaison, c'est dans l'appellation Lavore, et donc celle-ci est fumée en cheminée. Un pitchounet, petit brebis du Pays Basque, un brin d'amour, un brebis corse, aux herbes de Dumaquis. Là, on va être sur trois bleus avec un bleu de Termignon en Savoie, une fourme d'Ambert et à Roquefort. Et puis là, donc sur des chèvres d'une exploitation juste derrière la Roche-sur-Yon, au Clouzot. Domaine de la Barbichette avec donc des chèvres différents, petits crottins, bûchettes, un chèvre tout frais, voilà, donc avec différentes textures et l'affinage. Voici. Madame, très bien. Donc vous avez la tome grise des volcans, Puy-de-Dôme, le pavé d'Auge, le vieux comté 36 mois, Morbier. On était sur du Salers, tradition, et sur du Beaufort. Un morceau de pain, monsieur. Madame également ? Oui. Nous allons continuer donc sur une trilogie de pré-desserts, en partant de la gauche sur la droite, avec un riolet classique infusé au poivre de Sichuan avec sa meringue, sorbet litchi, coulis grillotte. On continue avec un cake à la banane avec son émulsion graines de sésame, citron vert, et on termine avec une brunoise de fruits exotiques, orange et coco. C'est toujours le même ici. Madame, monsieur, donc on va continuer autour du lait caillé, qui est un lait qui vient juste d'à côté du fermier, monsieur Jeannot. Tous les matins, on va chercher son lait, et le pâtissier a réussi à faire un très très beau dessert autour du lait caillé, en toutes ses textures, côté croquant, l'émulsion, la glace, avec sa tuile légèrement goût réglisse, avec les petites pousses anise Blunsen, avec une confiture de lait caillé au yuzu. Déjà là. Votre nom ? Monsieur Piquet. Arnaud. Chef pâtissier. C'est ça. Est-ce que vous voulez ma bouteille en photo ça, ou pas ? Je la prends pas. Je sais qu'il en a dû que pour les assiettes depuis tout à l'heure. Alors... Oui, mais si vous aurez votre photo, ce sera d'ailleurs. On va continuer donc, terminer sur le côté chocolaté avec une feuilletine à la base, croustillante, avec un glaçage caramel fleur de sel, avec une mousse de chocolat, tuiles de gruau de cacao et crème vanille. Thank you.
gourmandise. Vous allez retrouver le macaron café Bellet, une guimauve, mangue, fruit de la passion, une pâte de fruits à la banane et l'œuf. Chocolat praliné, vous avez également un nougat au chocolat. C'est ce qu'Olivier veut faire, il veut faire un spa. Elle a été faite en col, on n'a pas été faite. Donc là, on a pas le petit salon, on va voir. Oui, mais enfin, des fois, quand on n'a pas envie d'avoir un salon, c'est bien là aussi. Voilà. Parce que les chambres, là, c'est combien? Celle où on a été, la première, c'est presque 40 mètres carrés. Ouais. Et là, on est sur les 30 mètres carrés. Ouais. Et puis là, c'est pareil, on peut ouvrir en grand. Non, c'est bien. Et donc là au printemps on peut pas excéder, mais on fait tout notre potager, donc ici. Ouais. Hein,